Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous offrir simplement les raccourcis Revit que j'ai créés pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, mais vous allez voir, ça va être très efficace. Je vais vous afficher simplement mon écran. Donc c'est parti. Voilà mon écran. Alors là, je vous montre ce dont vous allez pouvoir avoir accès au raccourci Revit en fait. Et simplement, vous voyez ici, vous pourrez télécharger sur le format qui vous convient, soit en PDF, soit en PNG. Et il ne restera plus qu'effectivement à les imprimer et à les afficher. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Alors, on va faire un petit exemple. Vous voyez, pour créer, c'est pratique. On a du texte et on a, pourquoi pas, de la cote. Donc, si j'ouvre, moi, mon Revit pour vous montrer à quoi ça correspond, eh bien, vous tapez TX pour faire un texte. Par exemple, ici, je vais faire un texte. Et puis, si je tape maintenant DI, c'est comme si je faisais des cotes directement. Voilà, donc je peux faire des cotes. Enfin, j'ai fait une petite bêtise. Mais vous voyez, je peux facilement coter sur Revit en faisant DI. Ça vous évite d'aller cliquer ici pour le texte et ici pour la cotation. Voilà donc ce que ça peut donner. Alors, pour le récupérer, c'est simple. Vous allez ici, je vous affiche encore le lien. Vous avez les packs. Donc, vous avez le pack gratuit ici. D'accord? Vous cliquez dessus. Bah, c'est gratuit, hein. Vous avez quand même beaucoup de raccourcis à télécharger, etc., etc. Donc vous cliquez sur accéder gratuitement, vous créez votre espace de formation et vous pourrez accéder à des outils très sympas juste en mettant votre adresse mail tout simplement. Et vous aurez une sorte d'espace, hein, comme moi ici, où je peux me connecter à mon espace directement. Vous voyez? Et j'ai mes formations gratuites ou pas ici. Et vous pouvez aussi accéder à d'autres formations, voilà, et puis revenir au tableau de bord, hein, je précise, à chaque fois en utilisant, alors je vais faire des connexions, mais vous, supposons, vous étiez ici, vous êtes trompé, vous pouvez cliquer à nouveau sur la petite photo ou Vincent Cavioto pour revenir, eh bien, au menu principal. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis vous pouvez vous inscrire à mes petits ateliers où je donne des conseils, et puis enfin, sur AutoCAD, Revit ou autre, ou cliquez sur le lien direct pour voir quand est-ce que je serai en direct. C'est aussi simple que ça, sans inscription, mais attention, vous n'aurez pas dans ce cas-là le replay. Alors, bah, c'est tout pour ce tutoriel, hein, simplement vous aurez compris l'intérêt de récupérer ces raccourcis gratuitement. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Bye.